Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle exploration. Ce soir, j'ai deux invités à mes côtés. Océane, hey, la sublimissime. Oh, c'est toi, arrête. Et ici, à ma droite, on a Thomas de PRI, qui est un explorateur dans le domaine du paranormal. Et c'est lui qui m'a indiqué ce lieu absolument dingue. Il est déjà venu plusieurs fois sur place. Il a vécu des trucs de fou. Tu vas d'ailleurs nous expliquer un petit peu ce que tu as déjà vécu ici. D'accord. Du coup, on s'est dit... Qui dit truc de fou dit on arrive et nous sommes là. Alors Thomas, oui. Dis-moi, tu es venu ici combien de fois? Donc je suis venu ici deux fois. Ok, et qu'est-ce que tu as déjà vécu ici de dingue? Donc ici en fait pour le premier tournage on a dû évacuer un des membres du groupe parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte devant nous et qui s'est refermée à 2-3 reprises alors okay. qu'il n'y avait pas de vent. Donc du coup il s'est senti vraiment mal et puis il s'est mis à pleurer donc on a dû l'évacuer. Et la deuxième fois on est revenu ici, on a eu une ombre qui est passée à 1 mètre de nous. Bon alors Océane... C'est ta première fois. Oui. Tu es une novice. Oui. Tu es baptisée ce soir. Tu as mis ton plus beau pull. Exactement. Ton plus bel outfit d'exploration. Je tiens à le préciser. Comment est-ce que tu te sens? Stressée, mais archi stressée, genre, mais j'ai très peur. Parce que déjà, râle désincarné, c'est un terme que, tu vois, qui me rassure pas. Je pense qu'il rassurerait personne. Non, c'est vrai. C'est vrai, même moi, il ne me rassure pas. Donc je suis très stressée, mais bon, écoute. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans vos têtes? C'est vrai qu'on avait 1h30 de route pour arriver jusqu'ici. Et donc, on a eu le temps de parler avec Océane, de raconter un petit peu nos histoires respectives. Et vraiment de la mettre dans l'ambiance, ça c'est sûr. Elle n'a pas fui, elle est toujours là. Et d'ailleurs, je tiens à la féliciter parce que souvent, je fais appel à des youtubeuses pour m'accompagner. Et elles déclinent parce qu'elles ont trop peur. Alors, cette femme à côté de moi, she has some big balls. Et j'ai failli décliner, hein. J'y ai réfléchi à deux fois. Hein. Et après, j'ai voulu sauter de la voiture, mais ils m'ont empêché. Parce qu'on était sur la route. Bon, allez, les gars, on va aller s'équiper. On a du matos supplémentaire parce que Thomas, il est équipé avec du matériel que nous, on n'a pas. Et donc ça, c'est très, très cool. T'as une spirit box. J'en ai deux. Deux. Et t'as cet outil absolument incroyable qu'on retrouve dans Ghost Adventure, l'émission aux États-Unis. Et explique-nous un petit peu cet objet-là. Donc en fait, c'est un détecteur EMF, donc c'est le même principe qu'un K2, mais c'est beaucoup plus précis. Ça s'appelle comment? Un détecteur EMF. La marque, c'est un Trifield. Et ils sont super rares à trouver parce qu'ils ont arrêté la production. Ils ont vraiment arrêté la production et généralement, ça coûte, si on arrive à en trouver, ça coûte entre 250 et 500 euros. Ok. Bon, ben on va utiliser en tout cas ces éléments supplémentaires dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Si. On est parti. Le voilà. Ah, et c'est quoi ça du coup? Donc ça c'est vraiment le trifield, c'est vraiment le détecteur EMF. Donc tu vois, là c'est au niveau des ondes magnétiques. T'as deux types d'ondes magnétiques. Ok. Ensuite t'as les ondes électriques. Ouais. Les micro-ondes. Et voilà. Mais ça, il est pas comme l'autre en fait, il est pas... C'est pour ça qu'il est plus précis en fait, et qu'il coûte beaucoup plus cher. Ok, ça marche. Ah oui, et la spirit box dont tu parlais, alors ça fait parler les esprits? C'est ça. En fait, ça balaye les ondes radio et tu peux entendre... Hop, là voilà. Ah, c'est donc, petit? Ouais, c'est un PSB7. Ah, ok. Et ça, du coup, quand tu l'enclenches... Ça balaye les ondes radio et si tu préfères, quand tu poses des questions, tu peux avoir des résultats. Mais donc t'entends un tac 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 comme ça. C'est et puis ça. Par exemple si tu dis vous vous appelez comment, tu vas entendre tac 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 Julie tac 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 tac, tu vois. Mais après avoir écouté. Non, au même sur le coup. Ah ouais, sur le coup. Ici quand on se rendait au niveau de la tour, pareil, il y a les petits jeunes qui sortent, ils s'en vont. Ça disait laisse-nous Thomas. Laisse-nous Thomas. Ouais. Toi tu t'appelles comment? Thomas. Exceptionnel. Oh, on adore. Alors, on a énormément de chance parce qu'on a rencontré des habitants de la région qui travaillent dans le coin et qui ont déjà ressenti certains phénomènes ou en tout cas vu ou entendu certaines choses. Donc, on va leur poser quelques petites questions. Pour des raisons, évidemment, de vie privée, on ne filmera pas leur visage. Et bonsoir, déjà merci d'être d'accord de répondre à cette petite interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez vécu ici sur place, à côté de ce fameux château? Ben moi, quand je travaillais la nuit, j'étais toute seule. Et alors, quand je me situais pour faire les machines la nuit à la cave, ben, je me retournais assez souvent parce que je ressentais une sensation de présence. Et des fois, j'avais un froid qui passait devant moi. Pas comme une... Comme s'il n'y avait pas, de fenêtre basculée, rien. C'était un froid glacial comme ça.
Alors j'avais toujours une impression de présence. Donc en fait, il faut savoir que la personne que vous entendez travaille dans une dépendance qui se situe à côté de l'endroit qu'on va visiter, qui lui est abandonné, et que c'est pour ça que ces deux endroits sont en lien, étant donné que ce château a été dans le passé un sanatorium et a accueilli des blessés de guerre. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses Oui, un peu la même sensation que ma collègue. C'est aussi un vent froid, c'est comme... et puis alors des petits bruits, mais pas des bruits comme des... Comme si quelqu'un vous appelait. Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est... Mais ça peut être... Non. Bon, très bien, en tout cas, ben, merci pour ces témoignages. On va se rendre maintenant en direction du château pour aller mener notre enquête. À tout de suite. On démarre par où? Là, on va passer par là. On va commencer okay. Par ici. Ok. Océane, ça va? Non, pas du tout. Je suis extrêmement stressée. Par où? Par là-bas? Ok. Oh là là. Une fois que tout le monde est entré, on bloquerait bien avec quelque chose pour... Il y a une table... Ouais, pour être sûr que ouais, personne si ne on peut rentre. Bloquer, tu sais, la porte avec la table, comme ça fait un bruit sourd et... Si quelqu'un rentre à l'intérieur du bâtiment, au moins on sait qu'il y a quelqu'un, quoi. Ok, donc ça, en fait, c'est une sorte de petite salle de réception. Ok. Ah oui, dis. Donc en fait, là, t'es déjà à l'étage, ici. Ok. T'es déjà au premier étage, ici. D'accord. Ambiance ici. Super. C'est vraiment génial. Oh my god. Putain. Ouf. C'est extrêmement peu rassurant quand même. En fait, donc la première partie que je te disais, on a monté cet escalier-là. Donc tu vas voir, ça mène dans une espèce de petite kitchenette. Ensuite, tu as un long couloir avec des chambres sur les côtés. Et c'est déjà, ça a commencé parce qu'on entendait, on était tout juste au-dessus ici, on entendait des bruits de pas dans l'escalier alors qu'il n'y avait personne. On était vraiment seul, okay. Ça je le précise. Et quand on a commencé à avancer dans le couloir, on était à peu près à 30 cm de la porte quand elle a commencé à s'ouvrir, à se refermer toute seule. Et c'est là que du coup Morgane a eu peur et qu'on a dû l'évacuer. Et vous aviez barricadé l'entrée aussi pour être sûr qu'il n'y avait pas des plaisantins En fait, non, il n'y avait qu'une seule entrée, donc une seule sortie. Ouais. On était vraiment tout seul okay. dans le manoir. D'accord. Et sinon, on aurait vu quelqu'un passer devant nous pour aller se positionner dans la chambre, mais il n'y avait c'est vraiment ça. Personne. Parce que j'ai été voir okay. et il n'y avait rien du tout. D'accord. Est-ce qu'on mettrait un pod dans les escaliers? Un pod dans les escaliers, c'est ça. Je donne la caméra. Peut-être le cadeau.
j'ai oublié de prendre le scotch dans la voiture. Ah non, c'est pas grave. Alors, Igor, on peut peut-être passer, tu sais, il y a des feuilles. Hey ! Normal. Hé, hey, pas moi toute seule derrière, c'est mort, mort. C'est fou quoi. Non. T'es malade. Vous êtes en train de mentir au calme et me laisser derrière en mode, écoute, on a des choses à faire, tu vas te mettre toute seule. Pas du tout. Pas du tout. Oh, j'aime pas. Je me sens pas bien déjà. T'as pas des frissons? Je me sens très mal. Je... Tu vas voir, il y a certaines pièces où c'est que tu te sens pas forcément bien, il y a des pièces où c'est que tu te sens là tu vois, je suis pas particulièrement bien. Moi non plus. Wow. Donc tu vois, c'est cette pièce-là que je t'expliquais, Gilles. En fait, cette porte-là, c'est cette porte-là qui s'est ouverte. On était dans le couloir et cette porte-là, elle s'est ouverte et fermée à 3 reprises. Ok. Et c'est là qu'on a dû évacuer Morgane. Oui. Ici, on a eu un... dans nos rushs vidéo, en fait, on l'a pas entendu à l'oreille, mais on a eu un PVE, donc un phénomène de voix électronique. Et en fait, ça disait « maman ». On aurait dit vraiment la voix d'une petite fille. Ça va, tu gères bien, ancienne. Écoute, j'avance là où les gens vont. C'est quoi toutes ces petites pièces? En fait, c'est une salle de bain. Ah, et là, il y a quoi? Moi, je suis pas à mon aise, en fait. Non. Non. Mais je suis pas... J'aime... En fait, à partir du moment où on est rentré à l'étage, j'ai pas du tout aimé la vibe. J'ai ressenti un frisson de « ouh là là, non !» Donc non, j'aime pas du tout cet endroit. Ça, c'est sûr. Oh my god. Tiens, c'était là. Oh putain de merde. Je dois avancer, là. Ouais. J'aime pas, putain. Oh, oh, j'aime pas cette endroit non plus. Je me sens trop mal. Oula, là, je sens pas. Ah ouais? Oh putain, j'avais pas vu. J'y vais. Là, je sens pas. Super. Oh là là. Ah ouais, ouais? Ah oui, de ouf. Ah ouais, ah. Attends, ça vient d'où? Putain, tu m'as fait mal. T'as vu mon nom? Je sais pas. Je sais pas si c'est ton nom ou... Il y a des amis qui t'a... Bah attends, j'ai une idée, je vais essayer. Pas, enfin... Bouge pas, je vais essayer de demander. J'ai peur. Bonsoir, y a-t-il une âme présente ici avec nous? Si oui, pouvez-vous toucher le dispositif que j'ai dans ma main gauche, s'il vous plaît? T'as le mec est chaud. Il est malade. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Y a-t-il une âme présente ici? Donc t'as la pièce ici où c'est que pareil, les deux invités ils ont pas voulu mettre les pieds. C'est la même conception qu'en bas, mais ils se sentaient pas à l'aise ici en fait. Ah ouais, je vois, c'est la même pièce. C'est ça.
Les quarts d'heure, rien. T'as vu, c'est bizarre comme d'un endroit à un autre, quand on a fait l'épisode avec Ben. Ben, d'emblée, dès qu'on était arrivé, ça partait dans tous les sens avec les K2. Et ici, on n'a même pas encore un seul qui a réagi, quoi. C'est fou, c'est vraiment fou. La deuxième pièce qui est intéressante. C'est moi aussi, ici, j'aimerais bien voir ton ressenti. Oui. Comment tu ressens cette pièce-là. Je vais t'expliquer après le résultat ici qu'on a eu. Ok. Bizarre parce que genre tu sens que c'est l'atmosphère est lourde, c'est lourd, c'est ça. Mais j'ai pas les mêmes sensations que d'habitude, tu vois. D'habitude quand je vais dans un endroit je vais avoir mes frissons ou... et là en fait tu sais c'est quoi mon ressenti c'est on est là mais on fait rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si tout le monde, non, c'est comme si tout le monde disait, on bouge plus, plus personne ne bouge, on attend. C'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. C'est ça. Je sais pas si je me trompe, hein. Ah non, c'est ça. C'est ça? C'est ça, ouais. On a eu le coup, on a en fait des événements. J'ai fait frisson. D'accord. Donc en fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans cette pièce-là. Ok. Donc en fait, on est rentré ici. On a fait une séance de spirit box. Oui. Et ici, donc, le premier mot qu'on a entendu, c'est courir. Oh. Ensuite, le deuxième, j'ai voulu insister un peu, c'était laisse-nous, Thomas. Oh non. Ainsi, ça, on l'a entendu. Putain, mais venez, laisse-nous, Thomas. Thomas. Et donc, Nathanaël, qui était invité, tout juste ici, a senti comme si quelque chose passait. Vraiment derrière elle. Okay. Et moi, tout juste après, je l'ai ressenti, tu vois, au niveau ici, comme si quelque chose regardait par-dessus mon épaule. Okay. Et c'est tout juste après qu'on a entendu le laisse-nous tomber. D'accord. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans cette. Est-ce qu'on sortirait pas la spirit box ? Je suis chaud. Parce que tu sais ce que moi j'ai l'impression ? Mon deuxième ressenti que j'ai qui me vient en tête. Tu sais, quand j'ai des infos qui me viennent en tête, comme ça que je dis. Tu sais ce qui est moi qui me vient en tête ? C'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens ici. Mais il y a un truc qui est pas bien. Ah. Et les gens. Oh, regarde, putain, j'ai des frissons de ouf. Tu sais quoi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il y a quelque chose de mauvais ici. Oh, il y a putain, plein regarde. De choses de bien. Ah ouais, bro. Tu vois mon petit duvet qui est tout hérissé comme ça. Ok, je vais dire l'info que je reçois. Parce qu'en fait, le truc, comment ça fonctionne avec moi, c'est que j'ai des infos qui me viennent en tête. Et c'est comme si on me racontait une histoire, mais c'est pas que j'entends quelqu'un me la dire, mais c'est vraiment comme si tout d'un coup je disais ah oui je sais, tu vois, j'ai une réponse en fait. Et donc ce que moi je sens ici c'est, il y a beaucoup de monde, il y a un truc qui est là, mais qui dort pour l'instant, et c'est pour ça que les autres font rien. Je suis sûre que c'est ça, je suis sûre qu'il y a un truc qui est vraiment pas, il y a un truc mauvais. Mais les autres sont en train de faire pour pas qu'on. Pour pas que tu le réveilles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Tu sais ça que tu ressentais aussi quand t'étais ici ? Ouais, clairement, ouais. C'est vraiment le ressenti que j'avais. Pour moi, je suis persuadé qu'il y a ce qu'on appelle du bas astral ici. Donc pour moi, c'est tout ce qui est. Le bas astral, c'est tout ce qui est mauvais esprit, esprit démoniaque. Et pour moi, je suis persuadé qu'ici, il y a quelque chose de vraiment malveillant. Ouf, super. Super. Alors, super. Je vais filmer ici. C'est super. Ouais. Bon alors, les deux garçons sont partis voir à l'étage en haut de la tour pour vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus et pas de voiture garée devant le lieu, parce qu'on a entendu des trucs en bas. Et donc, ils arrivent. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Il n'y a rien ? Il n'y a pas de voiture ? Aucune voiture. Ok, bon, allez. La spirit box. Elle est là. Tu voudras poser des questions ? Je vais d'abord te laisser voir comment tu fais, parce que je ne l'ai jamais fait, Spirit Box, et puis je vais bien le faire. Ok, ça va. Bonsoir. Y a-t-il une âme présente avec nous ?
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un de présent avec nous? Si oui, pouvez-vous communiquer avec nous, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il y a tout le temps derrière ça des bruits, tu vois. Manifestez-vous, faites du bruit, parlez. T'as entendu? J'ai entendu une voix. Thomas, ça enregistre pendant que tu fais ça? Genre les sons qu'on a entendus, on pourra les réécouter? Ça enregistre pas, ça la diffuse en direct en fait. Ah merde! On va devoir les réécouter via mes roches, ouais. Le premier bruit. Oh! Ça a dit bonjour. Tu sais que je l'entends, je trouve que c'était vachement faible, tu vois. Comparé à ce que j'ai déjà pu avoir, franchement, là, j'entends vraiment pas grand chose. Vous êtes sérieux là, vous n'avez pas entendu bonjour? J'ai entendu oui, vous foutez de ma gueule. T'as entendu littéralement, toi, alors mot pour mot, toi t'as entendu? Non, c'est pas du tout. Ensuite, tu sais, des fois tu peux interpréter. Toi tu peux interpréter un truc de ton. Non. T'as vraiment entendu bonjour? Oui. Non mais mot pour mot, genre, c'est fou. Vous êtes sérieux? Ah, je te jure, mais j'ai entendu parler, mais j'ai pas entendu ce qu'il disait. Je suis pas bien. Vous êtes sérieux? Non, je le jure. C'est le plus simple. Non, pourquoi moi j'entends et pas vous? Non, je vais péter un câble en fait. Tu l'as entendu vraiment super clairement en fait, toi. Oui. Quand on a tous dit bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça a clairement dit bonjour. Vous êtes sérieux? Je vais partir. Non, je suis pas bien. Non, je vais faire une crise d'angoisse. Pourquoi moi j'ai entendu, pas vous? Mais on a entendu. Mais on a entendu, hein. Oui, mais on a pas, j'ai pas compris ce que ça a dit, quoi. Ça va aller. T'as entendu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais c'est moi qui ai tapé. Ah, putain, je vais péter un câble. On peut avancer avec en main, ça fait rien. Ah, il fait froid. Oh putain, il fait froid. Ouais. Il fait fucking froid. Franchement, j'ai trop. S'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, vous pouvez communiquer. S'il y a quelqu'un avec nous. Ça va, tu fais un peu mieux? Non. Enfin là, ça va un peu mieux, ça va un petit peu mieux. Même si c'est pas la forme, quoi. Je voulais faire un. J'ai eu ici. Y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Tu l'as entendu?
Je vais te demander de voir si ça me dérange. Ouais. Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? Oh, j'ai entendu. J'ai pas entendu ce que ça a dit, par contre. J'ai entendu ce que ça a dit, mais ça a été très clair, quoi. Vous êtes là? Chacun à son tour dans les escaliers, par contre. Attendez qu'on soit tous montés. Et si, en haut, c'est bon, c'est du béton. Ok. Faut que je monte en entier. On réessaye un peu ici. C'est la première fois que j'ai ça avec des voix et tout, donc c'est hyper flippant, quoi. Vous êtes combien ici? Il a crié un truc. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Plein de gens. Il a dit de nouveau plein de gens? Moi, j'ai entendu plein de gens. Un prénom? Il essaie. J'entends qu'il essaie, mais c'est pas assez fort. Ça leur prend beaucoup d'énergie. Mais oui. Ah, il peut parler. Est-ce qu'on vous dérange? Je crois qu'il a dit non. Y a-t-il une entité démoniaque ici? Y a-t-il du bas astral? Est-ce qu'il y a quelqu'un de mauvais dans le lieu? Il répond à chaque fois, mais je comprends pas ce qu'il dit. Pas humain. Ah, peut-être. Qu'est-ce que j'ai entendu? Pas humain. Pas mal. Là, j'ai entendu le même monsieur. J'entends toujours le même type, on dirait. C'est un mec. Monsieur? Est-ce
est-ce qu'on changerait pas de lieu? C'est très éprouvant, franchement, C'est fou, hein. En fait, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Je sais pas, ça fait peur, quand même. En fait, c'est la première fois que nous, on a un truc où on entend. Donc, ouais, nous, on a jamais eu, hein, donc on vit la même chose que toi. Hein. Parce que nous, on a jamais eu cet appareil-là, donc nous, on fait toujours, on fonctionne qu'avec nos K2, et nos K2 qui s'enclenchent, mais je peux te dire que... Quand tu entends une voix, une réelle voix humaine te répondre, ça met une dimension. Ça change la donne de ouf et ça met vraiment une dimension réelle au truc, quoi, tu vois. C'est fou, c'est vraiment fou. Là, bon. C'est moi qui me demande qu'est-ce que je fous là. Tu prends la marche. Ouais, pas de souci. Moi, je vais pas t'arrêter. Toi, tu te mets. Mets-toi entre. Juste après moi. Oui. Et puis, on mettra Kelly et Mick et je vais reprendre un peu la caméra. Ah, je suis. Ah ouais, j'imagine dans bien. C'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, faites attention quand vous descendez les escaliers, ne tombez pas. Bah, je trouve que c'est rudement calme, tu vois, comparé à quand je suis allé, je trouve que c'est vachement calme. Perso. Bah, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir une ou deux portes qui claquent, quoi. Ah oui, bien sûr, mais c'est sérieux. Ça va pas ou quoi? Non, pas du tout. Pas de porte qui claque pour Sean. Non. Oh putain, je suis pas bien, guys. Je suis vraiment très mal. Ah bah, ça, je veux bien le croire. Déjà, nous, on flippe alors qu'on est hyper habitué à ce genre de choses, mais j'ose même pas imaginer... Ouais, il y a tout son matos. Et moi, il y a mon matos là-bas plus loin, il faudra pas que je l'oublie. Hein. Le pod sur le sol. Et dans les escaliers. C'est un truc de fou, hein. Moi, j'étais pas bien. Et moi, j'ai des larmes aux yeux. Moi aussi, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer et dire on se casse. Je suis dans le déni, là. Je suis totalement dans le déni. Je refuse d'accepter ça, en fait. Je refuse. Tu sais ce que tu vas te dire, Océane? Non. Putain, je vais avoir de ces histoires à raconter à mes potes. Oh ouais. Putain, non mais là, c'est... Quelle histoire? Tu vas être la reine de toutes les prochaines soirées. Et je leur dirai de regarder cette ta vidéo. Let's go. Attention à votre tête ici. Chantonne. Qu'est-ce qu'il fait? Personne. Ok. Ouais, j'ai vraiment. C'est pas pour le filet? Si. Eh ben, tu sais quoi? Pareil. C'est, tu vois ce que je te disais, pour moi je suis sûr et certain qu'il y a une fille qui est ici. Non mais là je viens, non, j'avais l'impression qu'il y en avait toi ou Kelly qui faisait comme ça. On n'a rien entendu. C'est vrai pour nous. Je viens d'Ago ou quoi? Je crois que oui, mais je peux faire penser que non parce que... Tu crois t'as entendu aussi? Je crois oui, mais je ne suis pas sûre. On va laisser le bénéfice du doute, on n'a rien entendu. C'était juste notre imagination. Oh mon dieu, mais là aussi ça a brûlé. Non, c'est juste la suie. Ah, c'est la suie qui est montée jusqu'ici. Ouais, parce que ça sent le brûlé, hein. Ouais, je dis pas, il y a plus d'un an que ça a brûlé. Mon dieu, quelle horreur. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Oh, ça pue ici. Ça pue, je sais pas quoi. Non, ça sent pas le mort. Ça sent un produit toxique, il faut pas rester ici. Non. Ça, oh, bébé. Ça a un genre d'ammoniaque. Ah, c'est ça qui sent aussi fort. C'est le chien en décomposition. C'est un chat ou... Bébé. Je le vois pas. Oh non.
Si, et puis tu le sens l'odeur. Ouais, ça sent l'ammoniaque. Ouais, ça sent l'ammoniaque. Oh, petit chat. Oh, poussin. Et... Oh, ça pue, mais. Oh, ouais. Oh, j'ai envie de pleurer. Ouais, j'ai pas vu. J'ai vraiment envie de pleurer. J'ai pas vu. Poussin. Oh, loulou. Ah, ouais. Oh, pauvre bébé. Oh, il a dû tomber de quelque part. Oh, mon... Un petit loulou. Je pense qu'il a dû faire une chute parce que si tu regardes, on dirait qu'il a la nuque qui est brisée. Oh, mais il est tombé d'où? On dirait pas qu'il y a un trou. Enfin, je sais pas. Ah, il y a possible. Oh, il a peut-être glissé comme ça et puis paf. Non. Oh non, 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 non. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde commence un peu à fatiguer. Est-ce qu'on... Peut-être essayer les voies une dernière fois ici, voir si on a quelque chose. Ouais. Si on a rien. On y va. Comme ça on va là et puis après on est tout près de la sortie en plus. Which is good. Ouais. C'est vrai que je commence à fatiguer. C'est pas mal. Ouais, c'est ici, hein. Parfait. Y a-t-il une nappe avec nous ici? Y a quelqu'un avec nous? Bonjour. Bonjour. J'ai entendu bonjour. Bonjour. Oui, une femme qui a dit bonjour. Venez. Hein? Venez. Venez. Non. On arrête? Bon, mais comme vous ne réagissez pas en couple, puisque vous ne faites rien du tout. Chaque fois que je dis. Ah ouais? Toujours comme ça. À chaque fois que je dis bon, vous ne faites rien, puis là, alors on arrête. Et tout de suite, il réagit. Ah ouais? Est-ce qu'on s'en va? Je vais couper, hein. Est-ce qu'on part? On s'en va? Attendez, nouveau. Vous voulez qu'on reste ici encore un peu? Est-ce que vous voulez qu'on attende? Ouh. Oui. Il a dit oui. T'as entendu? Oui, d'accord, j'ai entendu. Ouais, j'ai dit oui, il a dit oui. Avez-vous un message à faire passer? Ah bah oui. Avez-vous un message à faire passer? Ah bah oui. Avez-vous un message à faire passer? Ah bah oui. Ah ben oui. Vous voulez nous dire quelque chose de précis? Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un? Bon, mais quand vous dites plus rien, on s'en va, alors on va couper. Merci. C'est bien comme ça. Si vous ne dites plus rien. Non, c'est pas ma mère. Je pensais que c'était peut-être évidemment. À chaque fois que je vais couper, est-ce que regarde, je vais beau le toucher, je pense que. Ouais, ok. C'est bien ça. Merci pour tout. Merci pour tout. C'est bien que ça s'arrête. C'est hein. Pas ses oreilles, surtout. Bon, et bien voilà, c'est ici que s'achève cette exploration qui aura été finalement quand même assez forte en émotion, en tout cas du moins. Ah oui, oui, pour oui, oui, oui. Je et, confirme. Et pour moi aussi, je vous l'avoue.
je me suis un peu chiée dessus à certains moments. Hein. Thomas, merci beaucoup de nous avoir reçus dans cet endroit et de nous avoir découvert la Spirit Box. Mais écoute, pas de soucis. Je vais, dès que je rentre, aller m'en acheter une parce qu'il nous en faut une pour nos prochaines explorations, ça c'est sûr. Toi, tu étais par contre un peu déçu parce que ouais, pour c'était moi, très ouais, faible. C'est ça, je trouve que c'était relativement calme comparé aux deux fois où c'est que je suis venu. Ouais. Ensuite, il faudra voir avec les rushs vidéo, voir si on arrive à capter, voir des anomalies lumineuses, des ombres ou même des PVE, ça serait le top. Océane, comment tu te sens ? Effrayée. Pour moi, c'était pas rien. À partir du moment où tu arrives à communiquer avec l'au-delà, excusez-moi, mais ce n'est pas rien. Pour moi, il s'est passé quelque chose. Et tu étais sceptique de base ? Non, j'étais pas sceptique, mais entre y croire et le vivre, il y a un gap, tu vois. Ouais. Et poser des questions et avoir des réponses en retour, c'est très perturbant. Je trouve que c'est très perturbant d'avoir conscience qu'en effet, il y a des présences qui sont ici. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'on n'ait pas pu vraiment savoir, en fait, ce qu'ils voulaient, ouais, peut-être qu'ils voulaient rien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu la frustration qu'on a quand on vit ce genre d'expérience, c'est de poser des questions et de ne pas avoir des réponses assez claires, de se dire, OK, il y a des gens qui nous entendent et qui nous font signe, mais c'est tellement compliqué d'avoir vraiment une réelle discussion, c'est sauf ça. En pratique du Ouija, où là, nous, on l'a déjà fait en privé, et on a vraiment eu des réponses très claires, on savait à qui on parlait, ce que la personne voulait, etc. C'était quand même assez flippant. Toi, tu as vécu la même chose aussi pendant une séance de Ouija. Ouais, mais ça m'a fait trop, trop peur. Et je pensais que je n'aurais plus aucun lien avec tout cet univers, mais je me suis dit, allez, one more time. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram et au compte TikTok d'Océane. Je vous mets son blaze juste ici pour que vous puissiez la retrouver. Abonnez-vous aussi à Thomas et à sa chaîne YouTube. Je vous mets toutes les infos ici en dessous. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à moi, si jamais vous avez envie, abonnez-vous. Et lâchez un pouce bleu. Et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur cette vidéo. Si vous avez peut-être vu des choses que nous n'avons pas vues ou entendu des choses qu'on n'a pas entendues, c'est toujours super chouette d'avoir vos retours. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à Mickaël. Merci à Kelly. Ciao.